j'espère que vous allez bien. Je suis très 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 contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo haul. C'est le style de vidéo que j'adore le plus vous faire. Et là pour le coup, je vous ai préparé une petite sélection vraiment très sympa d'affaires que je vais prendre dans ma valise pour la Thaïlande, parce que ceux qui ont vu ma vidéo vlog que je vous mets juste ici et en lien dans la description de la vidéo, je pars dans moins d'une semaine en Thaïlande, donc j'avais envie et besoin de tenues plutôt été, puisque là-bas il fait chaud, on va se baigner. Et du coup, bah ouais, en plein hiver, là, alors qu'on se gèle ici en France, je vais vous faire une jolie vidéo avec des tenues d'été et de vacances. Donc vous pourrez de toute façon vous en servir pour vos futures vacances, vous en servir pour l'été prochain. Voilà, dans tous les cas, je vais vous mettre dans la description de la vidéo tout le lien de tous les articles. Comme ça, vous pourrez toujours, comme d'habitude, les choper facilement. Voilà le bébé. Donc il y a un autre petit colis aussi à part. Mais l'essentiel est là-dedans, c'est des tenues d'été. Donc vous le comprendrez, ça ne prend pas beaucoup de place. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pris. Je vais essayer de vous faire pour une fois des looks un peu complets. C'est parti. Alors la première tenue, on commence vraiment très très soft. Les premiers articles, ça va être essentiellement des petits hauts que j'ai pris pour aller avec des shorts en jean. Donc là c'est un short à moi, parce que j'en ai commandé un, mais je ne l'ai pas encore reçu. Mais il ressemble un peu à celui-là, en sachant qu'au niveau des cuisses, j'ai pris un short beaucoup plus évasé. Donc j'ai pris ce petit haut très très sympa et vraiment tout simple. La matière, c'est un peu coton, on est hyper bien dedans. C'est vraiment pour balader, pour aller marcher, etc. J'avais envie d'avoir beaucoup de looks comme ça, donc c'est pour ça que j'ai pris pas mal de hauts. Le suivant, du coup, est un peu plus marron glacé. Par contre, la matière, pas du tout la même. Là, ça fait plus matière sport, matière très stretch. Il est grand, donc il est hyper confort. Il y a une petite écriture par là, très simple dans le dos aussi. Voilà, l'autre, c'était plus coton. Celui-là, c'est plus matière sport. Je vous mettrai bien sûr dans la description de la vidéo les tailles que j'ai pris et le lien de chaque article pour aller directement sur le site. Voilà. Franchement, j'aime bien. J'avais envie de haut très simple pour mettre avec des t-shirts en jean. Donc, c'est vraiment parfait. Des petites baskets comme ça, impeccable. Voilà, franchement, exactement ce que je voulais. On va passer à des hauts un peu plus sympas. Et je vous rassure, dans la suite de la vidéo, il y a des articles vraiment beaucoup plus sympas. Des ensembles. Il y en a un, entre autres. J'ai trop hâte de vous l'essayer. Je pense que ça va être une tuerie. Voilà, donc il y a vraiment un peu de tout. Là, on commence très très soft. Après, il y aura des maillots même à la fin. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. L'article suivant, je trouve magnifique. Par contre, il est un petit peu... il est un petit peu ouvert. Donc, on peut peut-être voir un peu à travers, bien que dans le miroir. Là, franchement, je ne vois pas trop. J'ai un soutien-gorge foncé et ça va. On voit, d'ailleurs, on voit la bretelle un peu. Voilà, franchement, j'ai mis du temps à trouver l'endroit de l'envers, il n'y a pas d'étiquette et ça a l'air à peu près similaire. Par contre, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve canonissime. Les détails, vraiment, trop beau. Là, il est resserré en fait de chaque côté. Voilà, et derrière, dans le dos, il est moulant, mais pas, on ne se sent pas serré en fait. Vraiment, il est stretch comme matière. Et là, avec un short comme ça en jean, franchement, je trouve ça juste canon. Canon. Il y avait plein d'autres couleurs. Je ne me rappelle plus exactement. Ça, ce serait un haut à vraiment recommander sous toutes les couleurs. Je le trouve trop beau. Voilà, franchement, un peu croque-top. Une pépite. Je ne sais pas ce que vous en dites. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires de la vidéo vos avis. Mais vraiment, j'adore, j'adore. Voilà le suivant, franchement trop beau. Bon, par contre j'ai enlevé le soutien-gorge parce que sinon ça fait pas joli avec ce jarre. Il faut mettre soit un bandeau, soit rien du tout. Ouvert là, avec le petit détail noué. Donc ça remonte, ça laisse entrevoir un peu le ventre, très joli. Et au niveau des épaules, alors le top, parce que vous allez voir. Je lève les bras, je les rebaisse.
ça se remet quasiment en place tout seul parce qu'en fait le col est très très large, très grand, alors que souvent ce genre de haut c'est un peu élastique, donc ça a tendance à se mettre comme ça. Là c'est très très grand et c'est pas, en fait il y a une élastique mais elle est plate en fait, elle est grande, donc du coup ça reste bien en place sur les épaules et je trouve ça top. Parce que souvent ce genre de haut j'adore, mais j'en mets pratiquement pas parce que ça a toujours tendance à remonter sur les épaules et ça me gonfle. Là j'ai vraiment l'impression que c'est pas le cas parce que voilà, on rebaisse, ça se remet en place, vous voyez. Donc vraiment pas mal, le dos est assez simple. Mais toujours pareil, pour mettre avec un short comme ça en jean, je trouve que c'est top. Même avec une jupe taille haute, un peu longue, une jupe courte. Franchement, ça va avec tout. Voilà, c'est une valeur sûre, couleur qui passe partout. Franchement, je vais vous essayer encore un petit haut et après, ça y est, c'est bon, on passe au reste. Dernier haut, très très simple, noir, matière un peu sport, un peu stretch. Voilà, on ne va pas s'attarder dessus. Vous pouvez le mettre dans un pantalon, dans une jupe. Voilà, ça passe avec tout, valeur sûre. Allez, c'est parti, plus de suspense, on va passer aux choses sérieuses. Le premier ensemble, ça va être un short t-shirt. La couleur, elle est folle, j'adore. On va voir ce que ça donne sur moi. Pareil, ensemble décontracte, ensemble balade. Et après celui-là, je vous réserve deux ensembles, j'ai hâte. Ça va être des dingueries. Allez, go! Voilà, donc franchement, la couleur, je la trouve trop belle, trop trop belle. Le haut limite un peu grand là au niveau des bras et encore que ça peut aller à bien tirer vers le bas peut-être. Voilà le petit short qui va avec, ça fait un peu crop top mais le short monte tellement haut qu'au final on voit pas le ventre. Un peu rayé, je sais pas si vous voyez la matière de près avec des petites rayures. Très très confort, très stretch, ça fait limite pyjama mais voilà pareil je voulais un ensemble décontracte, balade et ça fait vraiment bien le job. Vous aviez plein de couleurs, des couleurs assez flashy, du noir, je sais qu'il y avait du rose vraiment flash, enfin voilà, il y a plein de couleurs. Allez, on va passer plus de suspense à l'ensemble que j'attends le plus d'essayer. J'espère qu'il va être à la hauteur de mes attentes parce que franchement, vous allez voir. Allez, c'est parti. Et voilà le fameux, franchement. Je suis pas déçue, vraiment je suis pas déçue. Vous avez le petit top asymétrique, un croc top asymétrique et la jupe, donc il y a une jupe courte en dessous et une plus longue asymétrique dessus, c'est froncé là des deux côtés et en fait je sais pas si vous voyez bien mais c'est un petit peu pailleté. Je trouve ça juste une dinguerie, vraiment. Autant en journée que plutôt même en soirée. Voilà, je l'ai pris pour sortir le soir. Je trouve canonissime. Si vous êtes comme moi, je n'arrive pas à porter des talons. Hein. Vraiment, je ne sais pas marcher avec. Mais j'avais pris ces chaussures là, ben, sur Shein justement. Donc c'est avec un petit talon. Et je trouve que ça peut aller vraiment très très bien avec. Pour faire quand même un look un peu... un peu habillé, un peu classe, mais franchement trop trop beau. La matière elle gratte pas, c'est un peu pailleté mais ça gratte pas, c'est stretch vraiment, vous avez la marge, trop beau, trop beau, trop beau, j'adore, oh, j'adore, je t'en contente. Entre la suite, il y a encore une combi short et un ensemble et après on passera au maillot. Voilà le look suivant. Alors, petite basket blanche, petite jupe un peu corail, rose et le petit haut blanc noué. Voilà, j'avais trop envie de ce look. Voilà, c'était une lubie, j'avais envie de ça. La jupe, j'avais déjà la même en noir. Elle est sur un haul que j'ai fait précédemment. Je vous mettrai pareil les liens dans la description de la vidéo. Je l'ai déjà prise en noir, elle est fendue des deux côtés, hyper stretch, matière trop agréable, valeur sûre, elle monte bien haut, elle a l'élastique, mais voilà, vous êtes pas serré. Les petites baskets, je les avais prises aussi sur Shein, pareil, dans une de mes vidéos, vous retrouvez
les baskets avec le lien. Et là, le petit haut, c'est un peu le même haut que je vous ai présenté au départ en beige, on va dire. Bon, là, j'ai mis un soutif foncé dessous, donc ça se voit un petit peu. Mais si vous mettez du clair, on verra rien. Matière, pareil, un peu coton, un peu stretch, vite fait. Pareil, ça passe partout, passe avec un jean, passe avec une jupe. Voilà, le petit look un peu girly, un peu balade. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, je vais vous montrer une petite combi short, mais franchement, j'ai peur qu'elle soit transparente. Regardez. On va voir un peu marin, franchement, elle est trop, trop, trop jolie. Mais pareil, un peu épaule cargo, mais franchement, je sais pas. On va voir, on va voir. Allez. Là, voilà, franchement, pas si transparente que ça. Je sais pas si on voit mon sous-vêtement à travers, je crois pas. Ça va, je m'attendais à ce que ce soit transparent, mais en fait, non, ça va, ça va. Par contre, là, bien sûr, j'ai enlevé le soutien-gorge, toujours pareil, parce que j'aime pas qu'on voit les bretelles. C'est pas trop joli, toujours soutien-gorge bandeau, cache-téton, voilà, ou rien d'ailleurs, hein. Mais pas de soutif, ça gâche un peu le principe. Vous avez le petit lien à serrer ou pas à la taille pour marquer un peu plus la taille. Les cuisses qui sont hyper larges, trop trop calées. Le dos simple. Et pareil que le haut de tout à l'heure, je pense vraiment que si je lève les bras et que je les rebaisse, ça va se remettre. On va tester. Ça se remet. Ça se remet, bien large, qui tombe bien, tout ce que j'aime, pépite. Allez, c'est bon, on va passer au maillot, j'en ai deux, j'en ai un que j'ai pas encore reçu. Je vous le montrerai plutôt sur mon compte Instagram. D'ailleurs, je vous remets le lien ici de mon Insta. Pour celles que ça intéresse, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Insta. Je fais du contenu body positive, du contenu un peu mode. Beauté, acceptation de soi surtout. Voilà, donc n'hésitez pas à venir par ici me suivre. On va tester le reste. C'est parti. Pour la suite, j'ai pris ce, je sais jamais comment ça s'appelle, cache maillot, enfin quelque chose pour mettre sur un maillot. Donc voilà, transparent un petit peu. Le détail trop trop joli. Là au niveau du col, là au niveau des manches, j'adore. Resserré à la taille. J'ai pris avec ces jolies claquettes exprès pour la plage et la piscine qui sont imperméables, avec le petit nœud pailleté et la petite perle, voilà, très girly toujours. Et en dessous, j'ai mis le maillot que je vais vous montrer tout de suite. Le voilà, le fameux, franchement j'adore, la couleur elle est très 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 belle. C'est, je sais jamais dire cette couleur, mais en gros c'est un espèce de bleu roi. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. C'est une pièce. Voilà, il est tenu en fait à ce niveau-là et à ce niveau-là. Vous avez la culotte qui monte bien haut sur le ventre et qui est plutôt pas mal. Enfin, elle n'est pas très échancrée. Juste ce qu'il faut. Le dos qui cache bien le petit bourrelet. On adore. Et le devant, bah, franchement très joli avec le lien. Bon, c'est un faux lien, hein. En fait, c'est un lien rajouté par-dessus. Vous pouvez d'ailleurs l'enlever pour réépaissir le haut. Voilà, franchement, tout est dit. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, toujours pareil. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des articles dans la description de la vidéo. Je vous mettrai tous les liens, ne vous inquiétez pas. Top, j'adore. Le dernier maillot, c'est un peu plus osé, on va dire, bien que c'est pas osé trop non plus. C'est une culotte qui est un peu échancrée devant. Et moi, bon, ben, un de mes complexes, on le sait, c'était le ventre, que j'accepte de plus en plus. Mais du coup, il est un peu échancré, donc on voit un petit peu le petit bourrelet du ventre, mais ça peut le faire. Le haut, il est très très beau, la couleur. Pépite, je vous laisse avec d'ailleurs. Le voici, le voilà. Bon, ça va, vous voyez que c'est quand même... Il y a pire, quoi. Après, c'est un peu, donc là, échancré, comme je vous ai dit. Donc, on aperçoit là le petit bourrelet du ventre. Mais bon, franchement, on s'en fout. Là, dans le dos, pareil, la culotte est un tout petit peu échancrée. Mais bon, rien de fou.
le dos assez simple. Je vous montre d'un peu plus près. Vous avez les petits anneaux ici, les petits anneaux là et la couleur. Cette couleur, on en parle ou pas? Un peu camel, je ne sais jamais dire vraiment ce genre de couleur, mais trop beau. Trop beau. Il plaque bien la poitrine, il soutient quand même assez bien. Vous avez une bande là en dessous. Pas mal du tout. Franchement, pas mal du tout. Je repasse une tenue un peu plus appropriée pour vous finir cette vidéo. Et j'arrive. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai choisi comme tenue pour vous dire au revoir? Voilà, bah écoutez, j'espère que ce haul vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour vos vacances, pour l'été prochain. Voilà, franchement, j'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. J'adore faire ce genre de vidéos. Et là, franchement, il y avait tout qui m'allait et tout qui était parfait. Donc, quand ça se passe comme ça, c'est juste trop bien. Voilà, je vais vous faire de très, très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!